Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau sur le site de construction où la construction du bureau d'études sur les vaches va à pleine voile. Et maintenant nous avons demandé à Yvan, qui est responsable de beaucoup de travaux, les travaux de béton, la surveillance technique, le montage des blocs du sous-sol, etc. Donc nous avons demandé à Yvan de nous parler de ce qui se passe ici aujourd'hui, ce que les ouvriers font et ce qu'il reste à faire dans le futur immédiat peut-être. Bonjour Yvan. Bonjour Alexandre. Je m'appelle Yvan, je suis ingénieur de l'entreprise AK Moscou. Je suis responsable de la surveillance technique, comme Alexandre l'a déjà dit. Donc je suis responsable du montage des panneaux de sous-sol, du compactage du sol, des constructions en métal, en béton, en fer, que vous avez déjà vu, des volets d'escalier, des puits. Nous faisons la surveillance de tout cela. Au jour d'aujourd'hui, nous avons terminé le montage des constructions en métal. Vous l'avez déjà vu. Et maintenant, on ajoute du béton dans la fondation. Il y a aussi le montage des coffrages, le montage que vous allez voir. On ajoute du béton. Les travaux continuent. Peut-être vous pourrez nous dire en plus de détails, par exemple, pourquoi on fait de la coulée du béton supplémentaire. Je pense que nos spectateurs s'intéressent aux nuances, aux détails qui concernent la construction. Oui. Quand toutes les constructions sont terminées, et vous pouvez bien le voir, ces constructions-là sont sur des goujons. Les goujons sont bien en place et il faut renforcer cette construction. Nous le faisons grâce à la coulée de béton supplémentaire. Nous avons commandé le matériel nécessaire. Nous avons nettoyé le socle. Nous avons tout nettoyé. Puis, des coffrages en bois ont été installés. Et puis, donc, on coule du béton. On continue en permanence. À côté de cet endroit, on utilise un mixeur pour agiter le mélange et puis on coule du béton. Et puis le béton devient assez dur et on commence à prendre soin du béton, on le dit ainsi. Aujourd'hui, il fait très chaud, plus 35 degrés et le béton devient sec trop vite. C'est pour cela qu'il faut l'humidifier en permanence pour qu'il n'y ait pas de fissures. On peut le voir ailleurs, là où cette coulée supplémentaire a déjà été ajoutée. Là, par exemple, les coffrages ont déjà été démontés. Donc ça, c'est un produit final. Oui, c'est de cela que cela doit avoir l'air. Oui, c'est déjà un produit bien terminé. Voilà, on voit une marque moins 200. Et ça, ça sera au niveau du sol. Tout sera donc couvert de béton, mais au niveau du sol. Donc, ça sera encore plus solide. Pourquoi on a besoin de cela? Pourquoi on ne peut pas mettre tout de suite la poutre sur la socle? Il faut que la poutre soit vraiment bien horizontale. Il faut que la marque soit bien calculée, bien vérifiée. Et on peut le faire grâce au boulon. On utilise un instrument de nivelage, on établit une marque et puis on coule du béton. Sinon, ça serait trop difficile à faire. Donc, on le fait pour tout bien ajuster, pour tout bien régler, exactement. Pour que le bâtiment soit bien droit, verticalement et horizontalement. Nous aimons faire comme ça, voilà, très bien, à l'horizontale et à la verticale. Très bien. Encore une question. On voit beaucoup de tôles ondulées à l'étage. Pourquoi? Je comprends que on le fait pour faire des planchers en béton, mais peut-être vous pourrez nous en dire plus. Oui, maintenant, votre entrepreneur Astron, il met des tôles ondulées, il met aussi des barres de guidage sur le périmètre, puis on va mettre les armatures sur les tôles ondulées et puis on va couler du béton. Et puis on va former la base du sol, on va aussi mettre les tendeurs en dessus et puis donc on aura le sol. Oui, donc le sol où on pourra déplacer l'équipement, tous les matériels, exactement.
Et combien de temps il faut pour que le sol et le plancher deviennent assez solides et pour qu'on puisse déjà l'utiliser? Est-ce que c'est long? Est-ce que cela prend beaucoup de temps? Non. La mise d'armature et la coulée du béton, la mise du mélange de béton, c'est rapide. En revanche, il y a le processus technologique, le durcissement du béton. Dans les premiers 5 jours, le béton devient dur à 50% et puis il faut à peu près 28 jours pour que le béton devienne solide à 100%, pour qu'il devienne dur. Et puis on peut y mettre le plancher ou bien selon le projet, on met des tendeurs ou d'autres revêtements. Derrière nous, il y a des constructions. À ce que je comprends, ce sont des puits d'ascenseur. Peut-être vous pourrez nous en dire plus. Comment on forme ces puits? Où est-ce qu'il y a les marques de sol, de plancher? Nous avons besoin de plus d'informations. Oui, en face de vous, vous voyez une volée d'escalier. Il y a une marque de moins 200. Il y a aussi des saillies. À base de ces saillies, on fait des armatures, on y met des armatures. Vous pouvez bien voir des puits d'ascenseur. On voit la grille qui est déjà formée. Puis, à l'intérieur, on met des coffrages. On peut le voir au puits, à la volée d'escalier à côté. On y met des coffrages. Tout est bien fait au niveau. Tout est fait selon les marques. Et demain, nous pourrons voir comment on va y mettre du béton. Comment on va mettre du béton dans le coffrage de la volée d'escalier. Et puis, tout cela va grandir et va aller vers le haut. Vous allez déplacer le coffrage. Oui, bien sûr. Tout va grandir. Ce n'est que la première étape de zéro. Et puis, ça va grandir, bien sûr. Très bien, très intéressant. En ce qui concerne le montage des panneaux de sous-sol, approchons-nous de cela et regardons le montage des panneaux de sous-sol. Le montage des panneaux de sous-sol a eu lieu hier. Vous voyez la version presque finie, presque terminée. Il faudra aussi mater tout cela, mais le processus de montage commence avec le montage des blocs muraux fondamentaux. On va vous les montrer un peu plus tard. Maintenant, on est en train de préparer les blocs fondamentaux pour le montage des panneaux de sous-sol. On les voit déjà. Les cordons de soudure ont déjà été faits. Il y a l'hydroisolation avec du primer. On mate la partie basse des panneaux de sous-sol. Il faudra l'hydroisolation avec deux couches. Et puis, il y aura du remblai. Est-ce que je comprends bien que tout est déjà au niveau? On a besoin que de terminer les travaux, pour ainsi dire. Oui, exactement. Il n'y a que des travaux supplémentaires qui restent. Et puis, on pourra donc faire le remblai des planchers. À ce que je comprends, le niveau qu'on utilise voilà, pour le primer, le niveau d'hydroisolation, c'est le niveau de sol. Oui, c'est le niveau de remblai, moins 200. Et le sol sera au niveau de plus 200. C'est sur quoi les colonnes sont basées. Le niveau de sol sera plus élevé. D'accord, c'est clair. Les colonnes seront matées, comme vous avez pu le voir avant. On va y couler encore du mélange irrétrécissable. Le processus est bien en marche. Oui, et cela nous réjouit beaucoup. Yvan, il y a beaucoup de tôles ondulées partout pour faire des travaux de revêtement. Beaucoup de nos téléspectateurs y pensent, ils nous posent des questions, comment, quand. Est-ce que vous pouvez donner des commentaires? Ce n'est pas un processus rapide, vous savez. Ce processus vient de commencer et je pense que ça serait mieux d'en parler un peu plus tard. Quand des travaux seront déjà terminés et nous pourrons, voilà, on parlait. Oui, je pense que c'est la chose correcte à faire. Est-ce qu'il y a encore des travaux qui ont lieu aujourd'hui, que nous connaissons peut-être pas? Peut-être les travaux n'étaient pas terminés, mais cela continue. Quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il continue? Le montage des fondations,
Le montage des fondations continue. On prépare les bases. On coule du béton dans les fondations. Ce n'est pas encore fini. Des groupes d'ancrage sont installés. Puis des volets d'escalier vont être mis. À partir d'étape 0, il y a de l'équipement qui est bien en marche. Tout est compacté. On vérifie bien le compactage. On vérifie le béton, si c'est dur ou pas. Le béton qui a été là depuis 28 jours. Le laboratoire travaille aussi. Voilà, tout est bien en marche. Donc, ce sont des travaux de routine qu'il faut faire tous les jours et on va continuer à le faire. Absolument, nous continuons les travaux. Merci pour ce commentaire exhaustif. Je pense que nos téléspectateurs seront ravis. Écrivez vos commentaires, posez vos questions, nous essaierons de répondre. À bientôt. Au revoir.